comme on sait le mouvement pour la rotation, le haut du dos, mettez-vous sur le côté gauche du tapis. On va croiser la jambe gauche ou droite. Pliez les deux genoux et vous allez tourner vers le côté droit. Les deux bras, le même niveau comme vos deux épaules. Et vous ouvrez la poitrine vers le plafond. Si, voilà, si vos haut du dos est un peu plus raide, alors on va le faire comme Ilse, dans les bras dans l'air. Sinon, les bras vont être plats. Écartez tous les doigts. Poussez les deux mains loin de votre corps. Allongez la tête loin de la hanche. Le menton rentré. Inspirez. Expirez. On va monter les bras gauche. On va glisser les mains, les bras gauche ou les bras droite. Si on peut, on mettez le mâchoire gauche par terre, regard en arrière. Le corps est plat. Inspirez. Expirez lentement. On va ouvrir les bras. Inspirez. Expirez lentement. Glissez les bras gauche ou droite. Poussez le mâchoire par terre. Inspirez. Expirez lentement. Ouvrez la poitrine. Bien allongé, la nuque, rentrez le menton. Le genou pas bougé, la hanche bouge pas. Inspirez. Et enfermez. Si vous sentez un point plus raide, vous restez un peu là et respirez dans l'autre endroit qui est raide pour soulager le système nerveux, détend les muscles. Expirez pour détendre. Et on fait ça sur le lit, le matin ou le soir pendant 2-3 minutes pour soulager les épaules et le haut du dos.